Un grand merci à tous pour venir nous rejoindre sur ce nouveau webinaire. Comme vous le savez, nous essayons assez souvent depuis le début de l'année, au regard de certains événements, de vous partager notre expérience, notre expertise, nos retours clients. Depuis l'année dernière, nous avions notamment avec Manika fait un DAM sur lequel nous avions eu de bons retours. Autour des solutions de DAM et comment les choisir. On a eu l'événement All for Content en début d'année avec des ateliers PIM, DAM, des ateliers sur la gestion de contenu, gestion de la marque. Encore un grand merci pour vos retours, des vidéos qui ont été extrêmement populaires. Et en ce début d'année, au regard de notre expertise, au regard de nos expériences avec nos clients, finalement, est émergé un sujet qui prend de plus en plus de place, et notamment au regard de la pandémie. C'est finalement ce qu'on appelle la stratégie de conduite de changement. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné sur ce nouveau webinaire avec, d'une part, Catherine de Saint-Oyant. Bonjour, Catherine. Bonjour Frédéric, bonjour à tous, merci d'être présent. Et Malika. Bonjour Malika. Bonjour Frédéric, bonjour Catherine et bonjour à toutes et à tous. Voilà. Alors, bien entendu, quelques pratiques. Bien entendu, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur notre blog et pouvoir le rediffuser ainsi que la présentation. Durant le webinaire, on va dire après le premier tiers, nous allons lancer un sondage avec quelques questions. Donc, vous pourrez y répondre de façon complètement libre et interactive. C'est un petit peu pour nous, et dans tous les cas, pour essayer de comprendre également aussi vos problématiques. Vous avez également la possibilité de poser des questions alors, le long du durant le webinaire. Et puis, nous accorderons en fin de webinaire, donc, cette session de questions-réponses. Le timing est prévu pour 45 minutes, alors ça sera peut-être un petit peu moins, un petit peu plus. Mais bon, voilà. Donc, nous allons donc commencer. Et pour commencer, finalement, comme vous le savez, en tout cas, si vous nous suivez, la première chose importante, c'est que nous venons de lancer Activo, et donc qui est l'émanation finalement d'Activo Consulting et de Loma Conseil. Et finalement, ce que je voudrais, c'est que Malika, tu puisses un petit peu nous parler de l'ADN d'Activo. Alors, aujourd'hui, Activo, en fait, donc, comme Frédéric vous l'a dit, c'est vraiment l'émanation de Loma et de Activo Consulting. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on s'est retrouvés vraiment sur une même problématique et même façon d'aborder avec une attention particulière sur les utilisateurs et l'expertise métier des problématiques PIM, DAM et CMS. Donc, on a rejoint, on a monté ce cabinet ensemble avec l'intervention et la présence de Catherine et puis d'autres personnes que l'on verra tout à l'heure. Aujourd'hui, on intervient vraiment sur des projets où on remet en place, dans le cas de nos projets PIMDAM CMS, l'utilisateur, l'expertise métier. Nous accompagnons nos clients sur ces plateformes-là depuis la mise en œuvre et le choix et les projets de conseil dès le départ sur comment choisir une solution, pourquoi choisir cette solution et avec qui la mettre en œuvre et comment embarquer et onboarder les utilisateurs sur ces projets. Nous travaillons. Tu veux détailler peut-être, Frédéric, sur la partie PIMDAM et CMS avec des exemples? Ou Oui, je tout à fait. C'est continue. qu'effectivement, bon, cette expertise, comme vous le savez sans doute, elle est en tout cas l'agrégation d'une expertise métier et technique. Et effectivement, sur les solutions DAM, PIM et CMS, et je dirais globalement sur tout projet digital, nous avons une forte expertise et nous connaissons très bien les solutions, fruit de nos expériences diverses et variées. Mais ce qui va véritablement faire la différence, c'est notre expertise métier. Comme on le verra, quand on démarre un projet de transformation, ce n'est pas simplement de la technologie, c'est beaucoup plus, c'est des process et bien entendu toute l'importance de la conduite de changement à ce niveau-là.
Sur ce slide-là, l'idée, c'est de finalement de vous représenter à travers quatre jalons le cœur de cet ADN qui part de fait de l'expérience client. On a vécu cette année une année exceptionnelle en termes de digital. Évidemment, c'est la crise, c'est la pandémie. On commence à voir le bout du tunnel. Mais jamais autant cette expérience client n'a été mise à profit au regard des projets, notamment des clients. Pour vous donner quelques chiffres, même si on les avait précisés en début d'année, globalement, en un an, on a pratiquement fait 4 ans de progression en termes de e-commerce, hein, globalement, sans entrer dans les chiffres. Donc, le digital est véritablement entré au cœur de l'ensemble des marques, des acteurs, de la grande distribution, des agences, etc. Donc, ça, c'est bien pour tout le monde, c'est bien entendu pour nous, c'est bien pour les éditeurs de solutions. Et tout le monde essaye de trouver une convergence. Donc, l'expertise avec l'analyse des métiers, l'analyse des process, et le dernier jalon étant, en tout cas pour nous, le plus important, puisque sans accompagnement, la meilleure des technologies aura du mal, en tout cas, à rencontrer du succès. Peut-être que tu peux nous parler de l'équipe maintenant, Malika? Alors, donc, on l'a dit, on a créé Activo, mais Activo, ce n'est pas Frédéric et Malika. C'est Frédéric Malika avec une super équipe qui nous a rejoints et avec qui on a déjà commencé à travailler il y a un petit moment. La parité femmes-hommes, on y est. Donc, ça, c'est ma grande fierté. Donc, on a aujourd'hui dans l'équipe Catherine qui va intervenir sur la partie et qui intervient sur l'ensemble de nos projets d'ailleurs. Sur la partie conduite du changement et embarquer les utilisateurs et faire en sorte que nos projets d'âme soient une réussite de ce côté-là, sur la partie humain. Nous avons également Léa, qui est chef de projet digital, qui apprend vite et qui nous accompagne aussi sur la partie marketing. Caroline, qui nous a rejoint en tant que documentaliste, puisqu'en fait, on le verra tout à l'heure, mais nos interventions portent également en mode run sur l'accompagnement du client. Sur le devenir et le contenu en fait des plateformes que l'on met en place. Et Asdine, alors pour certains qui sont présents, qui se sont inscrits et qui nous connaissent, Asdine a été mon associé d'il y a 25 ans sur la partie d'âme, donc avec un profil technique. Donc il rejoint un peu Frédéric. Alors ça fait très cliché. On a les hommes qui sont plus techniques que les femmes, mais je pense que la combinaison des deux fait que nos projets d'âme sont une réussite. Voilà. Un petit mot, Catherine, pour nous parler un petit peu de ton expérience. Oui, tout à fait. Merci. Alors moi, je suis facilitatrice de projet, donc j'anime des ateliers de design thinking et j'accompagne les utilisateurs dans les processus de changement. Voilà. L'humain au cœur de mon travail et de mon activité au quotidien. Voilà. Voilà. Et le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui. Voilà. Donc, Léa n'est pas avec nous, mais Léa nous a rejoint très récemment et est une jeune chef de projet dynamique et qui aussi nous accompagne sur des éléments de marketing tels que l'on peut vous le proposer aujourd'hui. Et puis, pour ce qui me concerne, c'est à peu près un peu plus de 20 ans d'expérience, même si j'ai commencé dans la physique nucléaire, mais on va s'arrêter là. Et des projets d'agence, ou d'ailleurs en agence photo, on s'était plus ou moins croisé avec Malika, au temps de l'agence Gamma notamment. Une expérience de SI en agence de communication, une expérience d'éditeur. Et puis finalement, l'ADN et la passion du client revenant, c'est comme ça que il y a 2 ans, donc j'ai créé Activo Consulting et maintenant Activo avec Malika. Alors, en termes de, en tout cas de marché, au jour d'aujourd'hui, comme vous l'avez compris, chaque client finalement est. En tout cas, ce désir de démarrer des projets digitaux. Évidemment, il y a toujours une donne de business. C'est pour ça qu'on est très proche de marchés tels que celui des marques, celui du luxe, de la grande distribution ou des agences. Peut-être que Vanika, tu veux rajouter un élément? Moi, je dirais, le DAM, je pense que les personnes savent, c'est du Digital Asset Management. Le DAM permet de mettre en place des plateformes
Mais ces plateformes seront différentes entre selon on fait du e-retail, on est dans la grande distribution, on est dans le luxe, ou on est dans des agences, que ce soit des agences ou dans la presse. Et donc, c'est le nom ou un acronyme qui permet en fait de définir des plateformes qui seront toutes différentes. Et c'est un peu pour ça qu'en fait, on se présente vraiment par rapport à cette expertise métier, parce que c'est des métiers différents. Et il faut arriver à s'adapter à chacun de ces métiers et à faire en sorte que le DAM, le même outil, peut correspondre, on peut le mettre en place pour une plateforme dans le luxe qui sera différente dans la grande distribution ou dans un groupe de presse. Voilà, à nous, aujourd'hui, avec les équipes clients, de faire en sorte, et l'éditeur, évidemment, de faire en sorte que le résultat de la configuration, de la personnalisation de ce DAM réponde aux besoins du projet client. Voilà, donc je pense que voilà, en termes de type de clients, vous l'avez noté, on travaille avec différents types de clients sur différents projets. Les contenus que nous avons aujourd'hui, c'est de la photo, de la vidéo, des objets 3D, tout ce qui est actif numérique au niveau d'une entreprise. Donc voilà, donc ici, on passe une slide avec un certain nombre de clients pour lesquels on a travaillé ensemble et on a mis en place avec Catherine aussi un certain nombre d'ateliers déjà de co-création. Et de la conduite du changement. Je pense que historiquement, on a des clients avec qui on travaille sur des projets comme Michelin pour Frédéric, comme L'Oréal pour moi et d'autres. On intervient aussi sur des agences, sur des projets de customer journey, vraiment sur la partie expertise utilisateur, retour sur le front office, comme par exemple avec l'agence anglaise Bridgeman, et puis sur des projets qui sont, ce que l'on a vu, institutionnels, avec des interventions pour Radio France ou l'Assemblée nationale. On en discutera tout à l'heure, puisque ce sont des projets, on verra les différents niveaux d'intervention d'Activo sur les projets d'âme. Voilà, et effectivement, je rebondis là-dessus pour dire que nous sommes une société française, mais de par notre ADN, Oui. et comme vous le savez certains, je suis aussi beaucoup sur les marchés anglo-saxons. Donc aujourd'hui, très souvent, je dis, en tout cas, le leitmotiv, c'est souvent Brands are everywhere. Et finalement, c'est un petit peu ça, c'est sortir un peu des clichés des cabinets de conseil, on va dire, à l'ancienne, et en tout cas être en mode disruptif, être en mode innovation, être proche de la marque et finalement gérer notre approche comme une marque auprès des clients à travers le monde. Alors, deux petits points aussi qui sont importants pour nous, puisque à partir du moment où on parle de digital asset management, notamment, il est important de se rebaser sur l'essentiel, qui est la fondation à travers la DAM Foundation. Donc, on mène ce travail et notamment, vous le verrez cette semaine, j'ai eu l'occasion d'avoir un deuxième webinaire DAM avec Marc Dévy là vendredi. Et ce travail avec Marc est très important tout au long de ce qu'on appelle des 10 cores qui finalement définissent, basés sur ce qu'on appelle le DAM Maturity Model, les fondations de ce que c'est qu'un vrai DAM. Alors, ce n'est pas le but de ce webinaire, hein, bien entendu, vous l'avez vu. Mais un DAM, ce n'est pas parce que vous avez des imagettes dans une interface que c'est un DAM. Ça répond à un certain nombre de spécifications. Et on travaille, en fait, on fait évoluer ce modèle en permanence avec les équipes de marque. À travers ces 10 caractéristiques, vous voyez, tout ça, c'est de l'expression métier, c'est de l'expertise aussi client. Et à un moment donné, au-delà des magiques quadrants de Gartner Forrester, on sait très bien comment ça se passe, puisque finalement, il y a une notion de forfait entre les éditeurs et Gartner. Là, il n'y a rien à payer côté éditeur, simplement, on fait partie de ce paysage parce que la solution répond effectivement aux besoins du client. Donc, il faut savoir quand même que près de 50% des solutions échouent. Donc, celles qui ne sont pas dans la liste de TeamCore, attention, danger. Donc là, on développe toute une stratégie aussi de DAM à Steam aussi. L'autre point également, puisque comme on parlait des marchés anglo-saxons, le marché américain, puisque originellement le DAM vient des US au milieu des années 90. Donc là, on a ce travail avec le CAS DAM qui est géré par David Lipsey. Donc là, ce sont des échanges aussi très intéressants, ce qui nous permet, dans tous les cas, d'avoir un pied aussi côté US, qui est toujours très actif à ce niveau.
Et puis maintenant, parce que bien entendu, le cœur de ce webinaire, bah, c'est bien entendu la conduite de changement. Et finalement, je n'ai pas trouvé mieux que cette phrase de Éric Chagnaud, CDO Michelin, avec qui j'ai pu travailler ces 2 dernières années, vraiment en proximité. C'est que, au-delà de la technologie, comme on le précisait, ce sont d'abord des hommes. Et là, une transformation digitale, elle ne peut être réussie qu'à condition unique que l'ensemble de l'entreprise adopte une gouvernance avec des équipes, une communication. Nous, on le voit chez les clients. La transformation digitale, voilà, ce n'est pas simplement un terminal, des systèmes, de l'IT. C'est des réunions, c'est des échanges. Voilà, on est dans la construction. C'est pour ça que j'aime bien cette phrase, en tout cas, et puis qui va bien finalement aussi à notre ADN, où la transformation digitale appartient d'abord aux gens qui sont au cœur des processus. Et donc maintenant, bah, je vais laisser la main à Catherine, qui va vous expliquer absolument toute la conduite du changement. Mais alors, pour ce juste avant, j'allais oublier, excuse-moi Catherine, je vais vous lancer un petit sondage. Voilà, vous allez voir apparaître une fenêtre avec trois questions dont vous allez pouvoir répondre en live et vous allez pouvoir en même temps découvrir les résultats. Un sur finalement cet accompagnement, cet accompagnement. Est-ce que c'est quelque chose que aujourd'hui vous prenez en compte ou pas dans vos projets, ou est-ce que finalement vous y allez un petit peu à la hussarde? Bon, on va commencer, on va voir et puis on verra au fur et à mesure. Après, parmi les points de douleur, on a essayé de recenser des choses que l'on voit assez couramment entre la gouvernance, l'appétence des collaborateurs. Donc là aussi, vous avez des choix multiples, vous pouvez. Et le dernier, puisque c'est toute l'ADN aussi de ce webinaire, est-ce que vous avez déjà entendu parler de design thinking? Bon, j'aurais peut-être pu mettre celui-ci en premier. Donc, je vous laisse remplir. Vous avez simplement à cocher sur les. Sur les, sur cette, les réponses de ces trois questions. Je vous laisse une dizaine de secondes. Hop là. Voilà, ça y est, vous pouvez y aller. Excusez-moi, j'ai oublié de le lancer. C'est bon, tout le monde voit le sondage. Vous pouvez, voilà, je vois que les résultats commencent à tomber. Voilà. Merci. Encore un petit effort. On y est presque. Il faut qu'on ait 100% de participation. Il faut faire encore mieux qu'aux élections. En tout cas, ce qui se dégage comme tendance, c'est que donc ça, c'est une problématique, en tout cas, donc ça, c'est bien sur laquelle, effectivement, vous êtes conscient. En termes de points de douleur, bon, c'est assez partagé, hein, finalement, entre l'appétence des collaborateurs, la gouvernance, la communication. Donc, on a communication et les collaborateurs. Et une grande majorité d'entre vous a déjà entendu parler de design thinking. Bon, eh bien, écoutez, c'est parfait. Donc, on a ce premier résultat. Donc, je vais donc clore ce sondage-là. Je vous remercie bien. Voilà. Et puis, je me laisse maintenant la place à Catherine. Merci Malika, merci Fred pour cette introduction. Alors, la conduite de changement. Donc, on parle de conduite de changement lorsqu'il y a une transformation qui s'opère au sein d'une entreprise. En effet, en fait, on n'engage pas une transformation pour se faire plaisir, pour suivre une tendance, mais parce que cela est nécessaire, voire indispensable. Donc, il y a différents types de transformations. Donc managériale, culturelle, etc. Nous allons plutôt faire un focus sur la conduite de changement autour de la mise en place d'une solution digitale, à savoir que la transformation des métiers, des process métiers, est souvent induite par une transformation digitale. Fred? Voilà. Alors, pour qu'on soit tous raccord sur ce qu'est une conduite du changement, donc la conduite du changement se définit par un ensemble de méthodes, de techniques et de moyens qui permet aux collaborateurs de comprendre, d'accepter, surtout d'adopter un nouvel outil et des nouveaux usages.
Alors, quand on pose la question à beaucoup de personnes sur cette notion de conduite de changement, ce que l'on va nous répondre, c'est la conduite de changement, c'est de la communication et c'est de la formation. Alors oui, ça fait partie de la conduite de changement, mais c'est loin d'être suffisant. Vous allez le voir juste après. Donc, j'ai souhaité aborder ce sujet en partant du why. J'adore ça. Donc, vous devez connaître le Golden Circle de Simon Sinek, le why. Et donc, se poser cette première question, pourquoi engager une conduite de changement? C'est vraiment, pour moi, la première question à se poser. Pourquoi engager une conduite de changement au sein de mon entreprise? Alors, une des premières raisons, c'est que le succès d'un projet dépend également de l'adoption et de l'engagement des collaborateurs. Alors, on a bien cette notion de également, parce qu'il est évident que si on a une technologie qui ne fonctionne pas, des outils ne sont pas au point, le premier risque, c'est d'avoir un refus d'utilisation. Mais si on occulte cette partie technologique, c'est réellement l'adoption et l'engagement des collaborateurs qui comptent. Il y a des statistiques qui sont vraiment tristement célèbres qui indiquent que 7 projets de transformation sur 10 sont des échecs, ils n'aboutissent pas. Alors quand on donne échec ou n'aboutit pas, on ne va pas aller jusqu'à dire que ça ne fonctionne pas. Mais il n'y a pas d'adoption, il n'y a pas d'engagement. Ça veut dire qu'on l'utilise un peu, pas forcément avec un grand engouement, et que dans la durée, c'est un outil qui est plus ou moins abandonné. Il y a une parallélisation des process, on voit que des choses se passent en dehors de l'outil. Et ça, c'est réellement un très, très, très gros problème. D'ailleurs, on le dit, une des premières causes, c'est le manque d'engagement des collaborateurs, le manque d'accompagnement, excusez-moi, des collaborateurs. Donc, un manque de prise en compte de l'humain, un manque de communication, une résistance qui est méconnue, c'est-à-dire qu'une résistance qui apparaît là où on ne s'y attendait pas, absolument pas, et un accompagnement insuffisant. Alors, la question, pourquoi engager une conduite de changement? Ben, je vous réinviterai pour éviter l'échec. Comment mener une conduite de changement? Ça, c'est quand même voilà, la question qu'on se pose tous. Est-ce qu'il existe une recette magique? Alors, je ne serai pas honnête si je vous répondais un grand oui. Lorsqu'on parle de conduite de changement, on parle de relation à l'humain et de toute la complexité qui l'accompagne. Alors, la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'à défaut d'avoir une recette magique, on a une règle d'or qui est l'interaction. Alors, c'est quoi l'interaction dans cette notion de conduite de changement? Ben, c'est de rentrer en empathie avec ses utilisateurs, pardon, de comprendre les usages, les freins, écouter, donner la parole et surtout bannir une communication qui serait uniquement descendante. Et bien sûr, il faut utiliser des ingrédients du succès, que je vais vous dévoiler maintenant. Voilà. Donc, les ingrédients du succès. Donc, je vous ai listé ici, donc on vous a préparé ces ingrédients au succès qui sont de donner du sens et de créer de la confiance. Alors, ça veut dire quoi? Ben, c'est de donner un cap, de donner le why, pourquoi est-ce qu'on le fait? De donner aussi, de communiquer sur les bénéfices qui sont des bénéfices individuels, ça c'est important, que chaque collaborateur sache que ça va lui apporter à lui, mais aussi les bénéfices collectifs. Il faut croire en son projet, parce que si on ne croit pas en son projet, on ne peut pas impulser cette énergie et cette motivation et créer cette confiance auprès de nos collaborateurs. Créer de l'envie et la maintenir dans la durée. Alors, la maintenir dans la durée, c'est vraiment quelque chose, vous allez voir, sur lequel on va énormément insister. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Créer l'envie, c'est, il faut communiquer, mais de façon attractive. En fait, il faut marketer son offre. Comme si on faisait du marketing produit, il faut vraiment donc personnaliser les messages en fonction des métiers et proposer des choses stimulantes comme des avant-premières. Voilà, tout ce qui n'est pas accessible à tous donne envie de rentrer dans ce cercle. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut arriver à impulser tout au long de cette conduite de changement. Favoriser l'émulation entre les collaborateurs. Donc, la notion de rompre des silos, c'est quelque chose dont on parle depuis 15-20 ans maintenant, qui est toujours pas forcément
une réussite, enfin, qui n'est pas toujours réalisée de partout. En tout cas, il faut essayer de faire en sorte que les collaborateurs de différents métiers se parlent. Ils se parlent et pour se parler, c'est de pouvoir créer des ateliers de métiers où ils vont pouvoir échanger, travailler et comprendre en fait les contraintes et ce qu'apporte la solution dans leurs différentes organisations, la façon dont ils travaillent. Donc de comprendre les métiers des uns des autres, leurs contraintes, leurs freins et ce qui fonctionne plutôt bien. L'organisation aussi de challenges qui sont ludiques, donc on en reparlera de ces challenges, puisqu'on a vécu une année 2020 où les challenges physiques n'étaient pas possibles, mais on a fait plein de challenges qui sont des challenges pour Malika qui a. Oh oui, On en a c'était une année de challenge. fait des challenges cette année qui sont des challenges online. Voilà, il faut motiver, encourager et rassurer les collaborateurs, organiser des ateliers pour s'assurer que les process proposés sont adaptés aux process métiers des collaborateurs. C'est de l'animation en continu, en fait. Développer l'autonomie, penser en fait que quand on met en place une solution, cette solution, elle est là pour durer et qu'on va avoir des départs, on va avoir des personnes qui vont arriver et qu'on se retrouve souvent avec une 20% de la population, 20% des collaborateurs qui n'ont pas vécu ce début de projet, donc qui ne savent pas qu'ils débarquent, c'est un outil parmi un autre. Et là, il faut absolument les embarquer parce qu'on imagine 20% sur une année, ça fait 40, 60% au bout de 3 ans. Et c'est très, très important de prendre en compte ces nouveaux arrivants et de proposer des kits d'onboarding, des capsules de formation, enfin tout un tas d'outils qui sont à leur disposition pour qu'ils puissent comprendre le pourquoi, l'origine et ce que ça apporte à l'entreprise. Et il faut capitaliser sur les ambassadeurs. Les ambassadeurs, qui sont-ils? En fait, les ambassadeurs, ce ne sont pas des personnes que l'on va désigner. Ce n'est pas une équipe projet qui va dire telle et telle personne vont être les ambassadeurs. Les ambassadeurs, ce sont vraiment des personnes qui émergent lors de tous ces ateliers, de tous ces travaux, et on sent qu'ils portent en fait cette motivation. Ils adorent ça, tout simplement. Ce sont des gens qui se disent, mais moi j'adore ce qu'on est en train de faire, ça me plaît, ça me motive, qui apportent des idées. Et c'est eux, ces ambassadeurs, qui vont se créer, en fait, ça va être une communauté d'ambassadeurs, qui vont porter ce message dans le futur. Et qui vont maintenir l'engouement et qui vont maintenir toute cette attraction dans la durée. Et au moment où toutes les équipes projet se retirent parce que le projet est abouti, au moment où les personnes, nous en l'occurrence, on se retire de l'accompagnement parce que notre mission est terminée, toute cette passation de connaissances, de communication, de marketing sur l'offre, de tout ce qui a été conçu, se rend entre les mains des ambassadeurs, puisqu'on leur a travaillé avec eux également pour cette suite. Et comment on orchestre tout ça? Parce que là, c'est bien une. Non, juste avant, Fred, tu peux remettre. Voilà. Juste un tout petit mot sur ce schéma qui est donc de solution idéale. C'est comment on met en œuvre, en fait, tout ça. C'est avec cette intervention du design thinking. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on va en reparler après avec Malika. Je veux juste parler juste de ce petit schéma qui est pour moi a une grande importance. C'est que le design thinking, on en parle. Tout le monde a plus ou moins entendu ce mot. En fait, c'est une méthode, c'est un processus, mais c'est avant tout un état d'esprit. Et ça, c'est extrêmement important. C'est de mettre vraiment l'utilisateur, cette co-création et cette intelligence collective au service de l'utilisateur. Et le design thinking s'appuie sur trois concepts fondamentaux qui sont l'humain qui est au centre de la réflexion, qui sont l'intelligence collective et l'expérimentation. Et ça, c'est extrêmement important. Et ce schéma, quand on parle de solution idéale, je ne parle pas de solution technique, c'est le design thinking appliqué dans tous les cas. Vous avez un collaborateur, vous avez des réticences, vous avez des freins au changement. La solution idéale que l'on va pouvoir trouver pour lever ces problématiques, puisqu'on va s'appuyer sur tout ce qui est désirable pour l'utilisateur, tout ce qui est faisable, donc tout ce qui est possible de faire, et tout ce qui est viable, tout ce qu'on a intérêt à faire pour obtenir cette solution idéale qu'on appellerait une réponse idéale. Voilà, ça y est, Fred, tu peux cliquer. Merci. Alors, important également, c'est que la notion de changement est une notion qui est subjective.
Une erreur à éviter à tout prix, c'est de marteler ce mot changement. Donc le on va changer, ça, faut l'oublier. C'est exactement comme cette règle d'or d'éviter impérativement une communication qui soit uniquement descendante. Voilà. Ça serait vraiment ce que j'appellerais en top 1, top 2, les erreurs pour rater sa conduite de changement. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. Prenez un exemple d'un collaborateur qui a connu beaucoup d'entreprises, qui a changé de poste, qui a fait une reconversion, qui est mobile, qui a déménagé, etc. Quelqu'un qui est un petit peu vadrouillé, si on pourrait le dire. Et un autre collaborateur qui est en place depuis des années, ça fonctionne bien, tout son process marche bien, voilà, il est épanoui, il travaille, ses habitudes sont bien ancrées. Du fait de ces deux profils, des profils qu'on rencontre, bon, même si j'ai pris les extrêmes, c'est des profils qu'on rencontre très couramment en entreprise, la notion de changement ne sera pas du tout perçue de la même manière. Là, ça sera complètement naturel, ça serait même à la rigueur même motivant et stimulant, et pour l'autre, c'est complètement déstabilisant, c'est stressant et ça peut créer une véritable résistance. C'est ce qu'on appelle le syndrome du « c'était mieux avant ». Voilà, qu'on a tous hein, d'un moment, parce que des fois, on n'a pas envie que ça change. On est bon, on n'a pas envie que ça change, mais on est dans un monde mouvant. Donc, voilà, il faut savoir s'adapter pour que le changement apparaisse comme mineur. Voilà, c'est-à-dire apporter tout ce qui est positif. Ce ne sont pas des grands chamboulements, ce sont que des petites étapes qui vont faire que ça va permettre d'augmenter l'acceptation du projet. Et là, Malika, j'aimerais te passer la main pour que tu puisses remettre un peu tout ça dans le contexte du DAM. Du DAM, tout à fait. Merci Catherine. Alors, avant d'avancer sur la conduite du changement adaptée au DAM, je veux juste répéter, je sais que c'est ma phrase fétiche et que beaucoup d'entre vous l'ont déjà et la connaissent par cœur, mais pour moi, le DAM, ça permet de faire quoi? Ça permet vraiment de publier des médias, une photo, une vidéo au bon moment, sur la bonne plateforme, dans le bon format et aux bonnes personnes. Donc là, je résume en fait en une phrase ce que le DAM permet de faire, c'est-à-dire de centraliser des actifs numériques sur une plateforme, de les classer, de les indexer, de récupérer les droits, donc ça c'est un sujet important, pour ensuite les diffuser d'une manière omnicanale sur les différents supports aujourd'hui qui existent, les intranets, les internets, les plateformes de commerce, et de les utiliser également sur les réseaux sociaux et les newsletters, etc. Autour de ce qu'est le DAM et de comment on met en place le DAM, aujourd'hui Activo intervient au niveau de l'expression des besoins, donc comment définir, quand on veut mettre en place une solution DAM chez un client, on rentre dans le détail de comment définit-on pour lui, pour son projet, l'expression de besoin dans le détail, avec ses équipes évidemment. On intervient également sur la mise en œuvre et la consultation et de lister en fait les besoins fonctionnels importants, on les priorise. Et on accompagne le client dans la configuration et la mise en œuvre de la solution. Et au final, à la fin, on l'accompagne dans la formation, l'assistance au démarrage. Et quand on est en mode run, faire en sorte qu'effectivement, cette plateforme soit un succès et donc utilisée par les différents utilisateurs et qu'il y ait des contenus qui arrivent. Et donc, sur ces différentes étapes, Catherine va nous expliquer en fait à quel moment on a besoin de faire de la conduite du changement. Je ne dévoile rien quand je dis que c'est un peu partout, à tous les niveaux. Oui, merci. Fred, tu veux peut-être nous expliquer ce cycle? Oui, bon, en fait, c'est une courbe qui est assez connue. Hein. Vous pouvez retrouver un certain nombre de détails. C'est ce qu'on appelle la courbe de hype et qui est vraiment à l'origine de cette gestion de projet au départ. Donc, et sur lequel, effectivement, en tout cas, beaucoup de stratégies s'appuient, et donc dont tu vas nous préciser les différentes étapes entre les différentes abscisses. Voilà. Parfait. OK. Alors, donc, sur cette courbe, en fait, on voit réellement là les différentes phases d'un projet de mise en place. Donc, on a une phase de préparation où on voit vraiment toute l'énergie qui est mise, hein, cette courbe qui a été un peu exagérée, mais
qui monte sur toute cette énergie déployée, sur tout ce qui a été mis en place. Et puis, on a la phase de déploiement de la solution, où là, on voit une redescente un petit peu, et puis, on voit la phase de pérennisation. Bon, ça, c'est une courbe classique. Donc, si on fait le parallèle avec les phases du changement, puisqu'en fait, ces différentes phases sont liées, la conduite de changement est liée aux différentes phases du projet. Donc, on a cette phase d'onboarding dans le projet. Donc, c'est toute cette première phase de préparation. En parallèle, on fait de l'onboarding dans le projet. Donc, ça veut dire des ateliers, mais on en reparlera plus de détails un peu après, juste avec Malika, pour des expressions de besoin, connaître les parcours utilisateurs, comprendre leurs points de douleur, etc. Donc là, on a toute cette phase d'onboarding. Puis, on a une phase qui est l'adoption des nouveaux outils. Donc, l'adoption des nouveaux outils, on va parler de formation, on va communiquer, on va faire des retours d'expérience. Et on a la troisième phase qui est la phase de pérennisation et qui est la phase de l'engagement des collaborateurs. Donc là, sur ce schéma, on voit les choses plutôt naturelles. En fait, ce qui se passe réellement, si on ne fait pas cette dernière phase qui est l'engagement des collaborateurs, c'est qu'on a un déclin de cette courbe, en fait. Donc voilà, l'énergie est passée, toute cette phase-là, voilà, et on a cette courbe qui est descendante et non plus montante. Donc en fait, nous, notre stratégie, c'est vraiment de commencer dès la phase de préparation, avec des groupes projets, avec des ateliers d'immersion auprès d'utilisateurs, et de proposer un carnet de route complet qui est adapté au projet de votre entreprise. C'est pas tant sur le, ça serait pas tant sur les grandes thématiques, les ingrédients que je vous ai listés avant, c'est plus sur le volume de ces éléments, suivant le nombre de personnes qui doivent participer à ce projet. En tout cas, il y a également une erreur, et j'aime bien parler des erreurs à ne pas faire parce que je trouve que c'est souvent, voilà, ça fait gagner quand même un petit peu de temps. Beaucoup. Ouais, beaucoup, parce qu'on essuie tous hein, des échecs, et c'est vrai que c'est important de parler de ce genre de choses. C'est que l'erreur à ne pas faire, c'est de focaliser toute son énergie sur les premières phases du projet. C'est-à-dire que si on a un budget ou qu'on a une énergie limitée, il faut vraiment faire une répartition et il faut que absolument ne pas négliger cette phase de pérennisation. C'est extrêmement important de ne pas tout mettre, toutes les actions en début et lors du déploiement, mais de garder quand même des ressources pour cette phase de pérennisation. Car il ne faut pas l'oublier, l'objectif quand même, c'est d'engager les collaborateurs dans la durée. Voilà. Car rien n'est figé, tout évolue, on est dans le digital, hein, et que c'est un cycle d'amélioration continue. Et ça, c'est extrêmement important, même un an, même 2 ans plus tard, de toujours prendre en compte ce que pensent les utilisateurs. Tout évolue et il faut pouvoir s'adapter en continu avec les nouvelles pratiques, avec les nouveaux usages. Voilà. Et Malika, si tu veux bien nous parler du design thinking. Design thinking et les solutions d'âme. Alors effectivement, grâce à Catherine, alors je le dis et je le répète, Catherine est certifiée design thinking. Et donc grâce aux interventions de Catherine et à ses compétences, aujourd'hui l'ensemble de nos ateliers d'âme sont vraiment basés sur du design thinking avec Catherine. Donc ils sont basés sur de l'humain, sur l'utilisateur. Nous utilisons aussi par rapport à cela l'outil Klaxoon, pour lequel Catherine est aussi certifiée, qui nous permet en fait justement de créer ces ateliers de co-création avec empathie et itération. C'est un peu ce que Catherine a pu définir par rapport à la définition même du design thinking. Donc nous intégrons cette méthode et cette démarche dans notre stratégie d'innovation dans nos services. Lorsque nous intervenons pour accompagner une entreprise dans l'expression de besoins, le design thinking permet justement de donner la parole à des personnes qui, en réunion, à haute voix, n'auraient pas osé expliquer c'est quoi leur métier, c'est quoi leur façon d'utiliser l'outil, ils ont besoin de quoi et quels sont en fait leurs points de douleur. Donc ça, pour nous, c'est très important
parce que nos ateliers de co-création en amont pour mettre en place une solution d'âme permettent justement de faire remonter, de permettre à tout le monde de s'exprimer et nous de récupérer en information les attentes des utilisateurs, du client et leurs points de douleur. Alors souvent, dans cette phase de RFP et de collecte de besoins fonctionnels pour préparer une consultation, on remonte des besoins et on a besoin de les prioriser. Parce que quand on met en place une consultation, certains le savent, on va consulter des éditeurs et à partir de là, on va donner des priorités par rapport à des fonctionnalités que certains font de cette façon, d'autres font moins ou font moins bien. Voilà, donc on a besoin de définir ces priorités. Et là aussi, avec Catherine, ce que l'on fait, c'est qu'on crée nos fameux outils. Alors, Klaxoon, c'est notre solution miracle, notre outil miracle. Et on envoie aux utilisateurs, en réunion, en atelier propre ou tout simplement un lien pour qu'ils puissent le faire à côté, parce qu'il ne faut pas oublier que nos utilisateurs, ben, ils sont en travail quand même, hein, donc ils n'ont pas, ils sont pas dédiés en fait à la mise en œuvre de solutions d'âme, et tout simplement pour leur demander de faire des sondages et de donner des priorités. Donc avec un outil Klaxoon, c'est plus simple et plus ludique, et en général, ben, tout le monde y participe. Donc ça, c'est vraiment sur la partie en amont. Avant la mise en place des solutions, lorsque le choix de la solution a été effectué, on met en place aussi, dans le cadre de nos ateliers de configuration de la plateforme, des ateliers en intégrant le design thinking et les outils Klaxoon. L'idée, c'est de définir, par exemple, sur un atelier, ben, sur une solution d'âme, il y a à la base des photographes et ensuite on a des utilisateurs consommateurs. Entre les deux, on définit des flux de travail. Comment est-ce que le photographe a besoin de quels outils? Quelle est la meilleure façon de faire intervenir les gestionnaires de contenu? À quel moment? Et en général aussi, ça permet aussi de définir nos fameux points de validation et de publication, de sorte à les rendre un peu optimales et au bon moment d'une manière intelligente. Alors, tout au long vraiment de nos projets, la méthode de co-création est toujours présente. Ces outils permettent d'impliquer, et ça, on l'a vu sur les semaines passées, l'implication des utilisateurs dans les choix et dans les décisions, en fait, de quel outil, comment l'outil va être installé et il va répondre à quelle problématique vis-à-vis de moi, utilisateur, et vis-à-vis de l'ensemble de l'entreprise. Donc, on pense, alors, on pense très fort à un client que je salue, qui est peut-être en principe présent, et qui nous a autorisé en fait à présenter le merveilleux board que l'on a mis en place en 2020, justement dans l'expression de besoin, en disant comment aujourd'hui, dans le cadre d'une refonte, donc d'une solution déjà existante, donc avec une vraie conduite du changement à mener, puisqu'on a des habitudes qui ont été mises en place et qui sont acquises pour certains, en disant, ben voilà, vos besoins, c'est quoi? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi on fait ceci et cela? Et d'amener petit à petit ce change. Et comme l'a dit Catherine tout à l'heure, ce n'est pas changer pour changer, c'est changer pour faire en sorte que le flux futur de l'utilisateur sera encore plus adapté à ses besoins d'aujourd'hui, adapté aux outils d'aujourd'hui et aux attentes du marché et des utilisateurs consommateurs. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot, Catherine, Voilà, là j'ai sur cette belle expérience? pris Oui, un exemple d'atelier où on a fait travailler tous les utilisateurs. Donc là, c'était un parcours photo et vidéo, donc leur parcours actuel. Donc on peut le voir sur l'écran, il y avait toutes les représentants de différentes radios et les faire s'exprimer sur comment ils utilisaient et surtout arriver à détecter ce qu'on appelle les pain points, parce que c'est à partir des points de couleur qu'on va pouvoir construire la suite, s'assurer. Donc, et de finir cet atelier par aujourd'hui, si vous deviez garder des fonctionnalités idéales, quelles seraient-elles? S'il y en a que vous deviez complètement abandonner parce qu'elles sont inutiles, chronophages, pénibles, etc. Et si vous aviez éventuellement des idées nouvelles, voilà. Donc, de pouvoir s'inspirer. Voilà sur ce board-là. Des ateliers aussi, donc là on voit qu'un petit morceau de la capture, objectif d'âme, en fait là c'est des ateliers qu'on a fait tout en amont
qui était dédié à l'équipe projet, en fait. Et il y a une équipe projet, super, et on se rend compte qu'en fait, quand on discute avec les uns et les autres, oui, il y a un projet, on va mettre en place un DAM, okay? Mais quand on creuse un peu, finalement, l'objectif n'est pas le même pour chacun. Et ce qui est important pour une équipe projet qui va soutenir pendant tout le long, qui va être en coordination, c'est vraiment d'avoir ce cap. Voilà, c'est l'île au trésor. Voilà ce que l'on veut atteindre comme objectif. Donc là, c'était vraiment des ateliers qui permettent de faire des expressions pour que chacun puisse s'exprimer sur voilà, son objectif, pourquoi, et de comprendre, et surtout de mettre un plan d'action derrière et de voir qui serait dans l'équipe, quelles sont ses forces, ses faiblesses, etc. Mais de manière beaucoup plus ludique, agréable, sympathique, c'est aussi apprendre à se connecter. Quand on monte une équipe projet, ben, les membres de l'équipe projet ne sont pas forcément, ne se connaissent pas, ou ils se connaissent, mais ils ne se côtoient pas. Et là, ça permet vraiment de faire une véritable équipe. D'accord? Puisqu'une équipe, on le sait, c'est sur une durée, entre guillemets, limitée, c'est le temps d'un projet, on se constitue une équipe. Et nous aussi, d'intégrer ce mode équipe pour qu'on travaille ensemble. Voilà sur cet exemple d'atelier. Là, on vous a mis également des exemples de choses qui ont été faites donc pour accompagner les utilisateurs. Donc, beaucoup d'ateliers qui sont menés en ligne. Forcément, l'année 2020 oblige, mais c'est la même chose avec les mêmes outils que l'on peut faire en présentiel. Ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, c'est plein de choses qui sont créées, comme des identifications des besoins. Par exemple, avec Malika, suite à une identification des besoins et des attendus, on a listé beaucoup de choses. Et ce que vous voyez donc sur le côté droit de l'écran, c'était d'arriver à leur faire prioriser ces choses. Donc, à l'issue de tous les ateliers, on a référencé tout ce qui était important et on leur envoyait des sondages pour qu'ils puissent, eux, classer par ordre de priorité ce qui était réellement pour eux le plus important, ce qui passait au-delà, le top 1. Des choses que l'on fait régulièrement, ce sont des capsules de formation, donc où on va expliquer et derrière on va avoir un quiz, des sondages, enfin tout ce genre de choses, voilà. Voilà, dans les sondages, on peut imaginer le sondage sur on met en place une solution DAM dès le départ et dès le kick-off du projet, c'est de dire donnons un nom à cette plateforme, de sorte qu'on puisse ensuite communiquer sur le nom de la plateforme. Donc, ça, c'est typiquement des sondages en général qui marchent très bien. Et donc, il y a un brainstorm de toute l'équipe en disant ben voilà, trouver des noms, et puis au final, avec un sondage, pour pouvoir faire le choix. C'est vraiment une manière, ce qu'on disait, c'est vraiment, de toute façon, c'est la Embarqué. rigueur, c'est embarquer, c'est impliquer Embarqué. les collaborateurs. Voilà, il y a des choses aussi comme des missions, des challenges qui ont un but pédagogique, c'est-à-dire qu'on va créer des questions. Donc là, quand on est en mode challenge, on va pouvoir créer des tas d'étapes à ces challenges avec des gagnants, hein. Donc on voit celui qui arrive en premier, qui a répondu le plus vite, le plus rapidement. Et ça peut se faire en toute autonomie. Donc c'est des choses qu'en fait qu'on va diffuser régulièrement. Les gens vont prendre, tous les collaborateurs vont prendre l'habitude de recevoir ces liens, de cliquer et de pouvoir faire leur petit jeu, tester leurs connaissances. Voilà. C'est tout ce genre d'outils qu'on met en place parce que l'idée, c'est vraiment de se dire comment on met en œuvre tous ces ingrédients, comment on peut. Donc, on va s'appuyer majoritairement sur les outils qui sont déjà en place dans l'entreprise pour ne pas aller rajouter des couches comme des Teams, des Yammer, ce genre de choses pour faire une communication montante et descendante, ces ateliers pour communiquer et des outils comme Klaxoon qui sont des plateformes extrêmement ludiques qui permettent d'apprendre, de se tester et puis de le faire de manière très très rapide. C'est juste un lien qui est cliquable, hein. Il n'y a pas de Bon. manipulation autre. Si je résume l'activité de la conduite du changement sur cette partie-là avec Catherine, notre carnet de route, chaque semaine, le client a, à travers son intranet, ses outils, une information liée au DAM. Et en fait, on met en place ensuite un challenge en disant, ben voilà, est-ce que si au bout des informations sur 2, 3, 4 semaines, quelles informations ont été retenues, celles qui n'ont pas été retenues de manière à pouvoir creuser un peu plus le sujet? Alors bon, pour ceux qui me connaissent un peu, les challenges individuels, c'est bien, mais moi j'adore le collectif. Et donc aussi, on sait mettre en place des challenges collectifs par équipe. Et là, c'est tout aussi rigolo. Super. Voilà. Voilà pour cette partie. Eh ben, merci bien en tout cas, On a Catherine et été Malika. bavarde, hein? On a été bavarde. Ouais, je sais. Ouais, oui, bah, écoutez, C'est le problème là.
Voilà. Bon, néanmoins, il nous reste un peu Ouais. quelques places là pour des questions. Et comme on avait fait un petit peu en amont, finalement, avec un petit peu des one-to-one avec nos clients, y a une question qui revient souvent que peut-être je vais poser à Catherine. C'est finalement, c'est comment s'intégrer au mieux aussi aux outils de communication de l'entreprise, parce que finalement, là, on a une question qui est, vous venez avec un système qui s'appelle Klaxoon. Nous, on a des outils en interne. Donc, comment vous pouvez réussir à un peu immerger, puis, finalement, est-ce que vous pouvez, en tout cas, appliquer cette stratégie avec les outils de l'entreprise telle qu'elle les a? Oui, tout à fait. En fait, l'idée n'est pas d'imposer quoi que ce soit. C'est-à-dire que souvent, sous ces outils de gamification, ces parcours, ces challenges, l'entreprise ne les a pas. Si elle les a, on va bien sûr s'adapter, il n'y a aucun problème. En fait, la priorité, c'est pas l'outil finalement n'a que peu d'importance. Bon, même si moi j'adore Klaxoon et que c'est mon outil de prédilection, regardez, je vous montre même mon petit Klaxoon. Voilà. Mais ça, c'est pas tant, c'est vraiment l'esprit qu'on va mettre autour de tout ça. C'est-à-dire que dans beaucoup d'entreprises, il y a du Teams qui est utilisé, il y a Yammer qui est déployé. Donc, l'idée, c'est pas de saturer les utilisateurs et tous les collaborateurs d'informations, mais c'est d'envoyer sur des canaux différents. Voilà. Et c'est aussi, si l'entreprise utilise des outils de gamification, on peut s'appuyer dessus, on va donner les bonnes practices pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Donc, priorité numéro un, c'est ne pas de rajouter un outil par-dessus les outils parmi cette transformation, parce que ça serait pas forcément judicieux de faire ça. C'est de s'appuyer sur les outils de l'entreprise. Donc, on regarde tout de suite, on regarde ce qui est utilisé et de proposer un complément si besoin. Voilà, tout simplement. Peut-être un petit complément aussi sur cette stratégie, cette prestation de service. En termes d'animation, finalement, une des questions, c'est jusqu'où vous allez finalement en termes de communication, est-ce que c'est une animation aussi physique, finalement, au-delà du fait de se réunir autour d'outils afin de récupérer cette expression de besoin, ces points de douleur. Après, pour mettre en valeur ce projet dans l'entreprise, comment ça se manifeste en termes de communication réelle, pratique, sur le terrain? Est-ce que tu peux nous préciser les choses? Alors, je vais laisser, je pense, la parole à Malika parce qu'elle adore ça, cette partie petit-déj. Non, c'est la partie petit-déj. Oui, donc Catherine a parlé des outils. Ces outils sont indispensables aujourd'hui, quels qu'ils soient. À un moment donné, on a besoin, alors on est de plus en plus tendance sur la partie gamification, etc. Mais moi, mes souvenirs de Klaxoon, les premiers Klaxoon que j'ai faits, ça a été en présentiel et pas en distanciel. Donc aujourd'hui, c'est vrai que depuis des mois, on fait notre conduite du changement auprès de nos clients à distance. Mais demain, je rêve et je n'attends que ça d'aller utiliser un klaxon sur un téléphone, dans une main un téléphone et puis une tasse de café de l'autre, où on est vraiment en échange avec les utilisateurs. On utilise l'outil, donc souvenez-vous, parce que ça quand même permet à toutes les personnes de pouvoir s'exprimer, c'est beaucoup plus facile, mais il y a quand même un côté présentiel qui peut être mixé à tout ça. Voilà, donc sans présentiel, c'est pas grave, ça marche bien, on l'a vu. En présentiel, on a en plus ce plaisir de mieux voir les choses dans les yeux des personnes. Alors, le prochain présentiel, je pense qu'il sera en plus masqué, donc ça sera peut-être un peu plus compliqué. Mais vraiment, nos ateliers de conduite du changement, notre accompagnement, que ce soit de l'expression de besoin jusqu'au mode run et la suite. Donc, souvenez-vous, dans le cas du DAM, au lieu d'avoir 10 photos au final dans la base, on en aura des centaines, parce que tout le monde va être impliqué et les personnes vont avoir à cœur d'utiliser cet outil-là pour le projet pour lequel on a été mandaté. Voilà, c'est super et on attend que ça. Pour juste rebondir sur ce que disait Malika, oui, on a plein de choses sur la conduite de changement qui sont hors outils, qui sont réellement bon, des petits-déj, des démos live, des présences, des corners. Enfin, dans la boîte à outils, il y a énormément de choses. C'est vrai qu'on l'a mis en stand-by là, forcément, mais plein de genres de choses. S'installer à l'entrée d'une cafétéria d'entreprise avec toutes les Un démonstrations. beau kakémono,
C'est quoi le DAM de l'entreprise? Entre-temps, on aura fait un sondage, on lui aura donné un nom. Voilà, c'est vraiment s'approprier et faire vivre dans le temps les solutions que l'on met en place. C'est un intérêt pour le client et puis c'est aussi pour nous quelque chose de primordial. Et ce que disait Catherine tout à l'heure sur les contenus qui sont mis à disposition, je le répète encore une fois, c'est vraiment aussi mis à disposition pour les nouveaux collaborateurs qui vont un jour intégrer l'entreprise et faire en sorte qu'ils aient exactement les mêmes informations, les mêmes ingrédients pour se former sur la solution que ceux qui étaient là à la création même de l'outil. Ben, je pense qu'on est arrivé au bout de notre session. Merci encore Malika et Catherine. J'espère qu'en tout cas, vous avez pu avoir un premier éventail de notre prestation de service, de notre approche au regard de cette expérience client, de ce besoin de tirer la quintessence des éléments. Et je le répète toujours, hein, pour un retour sur investissement rapide. Évidemment, il y a différents contextes de marché. On est dans un contexte français où on va peut-être plutôt, on ne sera pas sur forcément des gros budgets, même si sur des marques, on va dire du CAC 40, il y a très souvent ce qu'il faut. Mais je dirais qu'après qu'on soit PME, ETI, grand compte, la problématique reste la même et tout est aussi affaire de mindset. Donc, en tout cas, cette notion d'accompagnement est importante. Alors, je ne saurais aussi vous recommander tout ce travail d'expertise, de partage, de témoignages clients, de retours d'expérience. On le partage chaque semaine à travers un article, un nouvel article. Globalement, depuis à peu près 6 mois, 8, 10 mois, vous avez un peu plus d'articles français. Donc, de temps en temps, vous avez aussi anglais et français. On va essayer d'améliorer un peu cette expérience là d'ici la rentrée à travers un tout nouveau site web. Mais en tout cas, vous avez en permanence la possibilité, il y a plus de 150 articles, donc c'est classé par catégorie et vous trouverez aussi bien de l'analyse d'expertise technique, de la stratégie, des comparaisons de solutions sur le marché, des retours d'expérience, des suivis de salon et bien entendu tous nos webinaires. Ainsi que toute la partie sur notre chaîne télé YouTube, où là, vous le retrouverez. Aujourd'hui, c'est plus de 300 vidéos. Vous êtes chaque mois un peu plus nombreux à souscrire. Donc, n'hésitez pas à souscrire sur notre chaîne. Comme ça, vous serez alerté en permanence des nouveaux contenus. Cette semaine, comme je vous le précisais au départ, je co-animerai avec Marc Dévy. Alors, ça sera en anglais dans le texte. Où on va reprendre un petit peu en mode un peu en mode push et un peu stamp un petit peu les problématiques du DAM. Donc on va revenir sur des pratiques un petit peu plus techniques, mais qui restent quand même métiers. Et puis aussi cette interrogation sur finalement est-ce qu'aujourd'hui les éditeurs de solutions comprennent bien l'expression de besoin des clients. Quelquefois, nous notre côté, de notre côté, on est quelquefois un peu on a des doutes, voilà, donc, et sans reprendre les propos de Steve Jobs d'il y a 23 ou 25 ans, voilà, je crois que c'est important aussi de resituer ce contexte du besoin client à travers des solutions. Voilà. Et je pense que Malika, tu peux peut-être nous parler, puisque dès le mois prochain, nous allons lancer un nouveau webinaire également en français Voilà, dans le donc. texte et sur les droits d'usage. Tout à fait. Donc, au niveau de l'ensemble de notre offre de services, on apporte aussi une compétence pour sensibiliser nos clients dans la gestion des droits, les droits des auteurs, le droit des personnes photographiées, etc. Et dans le cadre de toute l'activité que l'on fait justement avec Sylvie. Qui est une personne que je connais depuis 15-20 ans, puisqu'en fait, on s'est rencontrés dans le cadre du CEPI, qui est un événement orienté métier d'agence photo, production d'images, où on a une sensibilité, elle et moi, par rapport aux droits d'image, et d'en faire bénéficier en fait nos clients, puisque quand on met en place une solution DAM, on va importer des images, et importer des images, mon autre phrase fétiche, c'est un peu nos contrats, nos photos, ou sinon on alerte bien les utilisateurs sur comment on peut utiliser ces images-là. Donc on avance avec Sylvie sur un programme de formation
complémentaire à notre offre de service. Et dans ce cadre-là, on lance le premier webinaire lié aux droits et usages, donc pour apprendre le copyright, c'est quoi, le droit d'auteur, c'est quoi, le droit d'auteur moral, patrimonial, et aussi comment centraliser cette information-là d'une manière pérenne dans le DAM que l'on met en place. Voilà, et Donc, donc, rendez-vous mardi 1er juin à 16h cette fois-ci. voilà, on lancera l'invitation la semaine prochaine. Vous aurez un post là sur le site. Vous pourrez retrouver le lien pour vous enregistrer. Et puis, on va alimenter du contenu à travers notamment d'articles pour préparer cet événement. Et donc, je terminerai par ce slide que vous connaissez, qui sont les différents liens où vous pouvez nous retrouver. Donc voilà, on essaye d'appliquer aussi les mêmes bonnes pratiques, à savoir qu'à partir du site comme source de contenu, on diffuse sur tous les canaux de façon synchrone. On a aussi lancé le podcast là, en début d'année, qui est, comme vous savez, de plus en plus aussi, de plus en plus présent. Et voilà. Et donc, un grand merci à tous en tout cas de nous avoir retrouvés. Vous allez recevoir demain donc un email avec le replay de l'enregistrement de ce webinaire. Et puis, un grand merci à mes collègues. Et je vous laisse, mesdames, le mot de la fin. Rien à dire. Merci à vous, merci pour votre temps. Et puis j'espère que la conduite du changement et voilà, il y aura une attention particulière de votre part sur la conduite du changement, quels que soient les types de projets d'ailleurs. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter. Change pour les intimes, hein, puisque maintenant, voilà. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation. Malika, Frédéric, et une bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, Catherine. Au revoir. Au revoir.